Oula, essayons de ne pas faire comme le Titanic. Allez, bonjour à tous, chers galaxiens, chers galaxiennes, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode final, les amis, de ce Let's Play sur AC4 Black Flag. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Et oui, comme vous le voyez, on se dirige vers un fort, vers la dernière mission du jeu, tout simplement. Alors attention, parce qu'il y a du brouillard, forcément, vu que c'est la dernière mission. Forcément, va sûrement y avoir des gros bateaux. Forcément, il va sûrement y avoir un fort à abattre avant d'y avoir accès au vu de la map. Parce qu'en fait, la mission est derrière un fort. Donc, autrement dit, on va devoir se le faire. Et en plus, c'est un fort qui forcément est dans la zone difficile du jeu. Et là, nul besoin de vous dire que forcément, ça va pas être de la tarquée et que je vais avoir besoin de pas mal de trucs. Zone interdite, non, c'est pas vrai. À mon avis, ça c'est un petit peu obligatoire. Donc on va utiliser nos canons, nos boulets explosifs, on va utiliser aussi... Est-ce qu'il me reste au moins... Oui, il me reste un mortier. Ah, c'est limite, j'aurais dû le recharger avant. Aïe, 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 aïe. Galax, qu'est-ce que tu as fait, mon dieu. Si je ne m'en sors pas, je saurais à quoi ça serait dû. C'est que j'ai oublié de reprendre des bibunes, deux mortiers en tout cas. Donc on est parti, je pense effectivement que c'est la fin du jeu, parce que c'est la toute dernière mission. Normalement, si tout va bien. Hop, allez, direct. Est-ce qu'on peut les viser de là? Je ne crois pas. On va devoir attaquer le fort forcément, vu qu'on est vers la mission. Alors, oulala, vite, dégage, dégage, faut partir. Vite, on va vite lancer, les amis, l'offensive sur le fort. Hop, et nous, on dégage de là. Oh mon dieu, il balance des canons, j'avais oublié. La vache. Ok, donc on y va, c'est parti, on ne rigole plus, mec. On ne rigole plus. Là, on y va, et attention, c'est pas de la tarte. Oh non, 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 vaccélérate. Où elles sont, putain, si en plus on a des vaccélérates, comment vous voulez qu'on fasse? Oh putain, ça arrive de derrière. Oh, j'ai pas de cul. Vaccélérate qui arrive. Mon dieu, par où, par là. Ok, vite, bouge. Oh là là, ça va être dur. Regardez-moi la vague, regardez-moi ça. Ouh. Oui. Oh mon dieu. Casse-toi, vite. On fait du surf. C'est énorme. En plus, j'ai plus de... Oh, vaccélérate. C'est bon. On l'a passé. Calme, vite, on sort de la zone rouge. Ah, c'est ouf. Allez. Faut s'accrocher, faut s'approcher. Non, dégage. Putain, le coup. On se dépêche. C'est l'armada. Quoi l'armada? Tu te fous de moi? Ouh là là. Vite, là, faut se faire ce fort. Le truc, le problème, c'est que ça rend difficile, quoi. Allez! Alors, les mecs, qu'est-ce qu'on dit? Tiens, bouffez ça, canon sur pivot! Allez! Fais tout péter, allez, petit. Peux même lancer des petits trucs, vite. Ah mon dieu, dégagez les mecs. Oh putain, faut dégager. Putain, moi on est presque mort. Ouah, je vais mourir. C'est trop chaud. C'est trop chaud les mecs. Ah on est mort, on va crever. C'est trop chaud. On va crever forcément, c'est obligé. Allez, on est mort. Moi, je vous le dis qu'on est mort. Je sais. Et voilà, désynchronisé. Ok, j'ai pas fait assez gaffe. Ah aussi, manque du mortier. Ça aurait été plus simple si j'avais du mortier à la base, en fait. Aïe, 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 Moussaillon, ça va être dur en cette fin de jeu. Forcément, c'est assez corsé. Fallait s'y attendre. Fallait s'y attendre. Mais bon, écoutez, on va essayer de faire ce qu'on peut, on va essayer d'y arriver, puis si on n'y arrive pas, eh ben écoutez, on retournera faire les emplettes. Aïe, c'est l'armada. Le reste n'est pas venu seul. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Il me faut le fort. Putain, il sort de là. C'est pas vrai, sérieux, quoi. Allez, on va les attaquer direct. Allez, canon. Ah, j'ai plus de mortier, du coup, ils m'ont carrément enlevé. Non. Vous êtes sérieux les mecs là? Mais carrément quoi. Oh putain. Sérieux les amis, c'est ouf. C'est ouf parce que c'était pas prévu qu'il y ait des trucs aussi durs quoi. Oh putain, j'ai pas fait gaffe à la vague. Oh allez le... J'ai eu de la chance. J'ai pas fait gaffe à la vague les mecs.
Je vous jure, j'ai pas fait gaffe à la vague. Ça, j'avoue que c'est ouf. Allez. Accélère, accélère. Oh putain, les cons. Ça mangeait ça, les mecs. Putain, par contre. Ça sert à rien en fait que je balance ces trucs. Allez, faut s'écarter en fait. Oh putain. Ils abusent. Allez, fait péter, je pense qu'on peut l'avoir le fort si on s'y met sérieusement. Il y a des trucs qu'il faut absolument éviter comme ça par exemple, bon Dieu. Là. Allez vite. Putain, casse-toi, casse-toi. Oh là là, ça va être dur. Ça va être très très dur. Ça va être dur. En plus, j'ai plus de mortier quoi, c'est ça le plus con. Allez, il reste la défense de gauche et la défense de droite. Donc déjà, ils sont bien affaiblis, hein, et d'accord. Putain, non, non, va pas dedans, va pas dedans, va pas dedans. Va pas dedans. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Faut pas aller dans les champs de tir. Allez, putain, et c'est ouf. Ah, va pas dedans. Le problème c'est que c'est pas évident de pas aller dedans, en vrai. On va essayer d'attaquer à droite. Plutôt les canons de gauche. Et ben dis donc les mecs, c'est pas évident. Donc déjà on a fait le plus gros, c'est-à-dire qu'on a détruit les défenses. En tout cas les canons principaux. Allez. Pète. Allez, côté. Putain, il me vise, il me vise, il me vise, les cons! Arrêtez de me viser! Putain, je suis en plein dedans! Oh putain! Je suis en plein dedans! C'est vraiment des. Putain! Eh, grave quoi! Grave! Ah, y'a. Attendez! J'ai explosé ça par contre, je crois que je suis. Ah putain, ouais, je suis sur les. Ah tiens, je t'ai explosé avant que tu m'exploses. Putain, bah heureusement hein. Putain, casse-toi vite. Bordel. Vite. La vache, je suis presque mort les mecs. Putain, non, non, non. Esquive. Ah, c'est tendu. C'est super tendu les mecs. Bon, il reste quoi là? Il reste celui d'en haut. Je crois que je touche pas, je crois que je touche pas. Faut pas se faire toucher. Le plus important, c'est vraiment de ne pas se faire toucher, les mecs. On y est presque, il reste plus qu'une défense. Voilà, on va les avoir, on va les avoir. Ils y sont, ils y sont. Allez. Allez, temps de sortir. On va y arriver, il reste plus grand chose là, réellement. Allez! Sérieux, ils sont longs à. Voir quand même. Attention les amis! Allez! Boum! Voilà! Oh que ça fait du bien! J'ai eu un fort! Youhou! Je préfère. Ah, on a capturé le fort. On va s'infiltrer du coup dans le fort. C'est quoi ça? Il y a des messieurs qui arrivent apparemment. Par où fallait prendre? Non, fallait prendre par là plutôt, non? Je sais pas si c'était de ce côté ou de l'autre côté. C'est quoi ce qu'il y a là-bas en fait? C'est quoi ce qu'il y a là-bas? Il y a un convoi, je crois. Attendez, qu'est-ce que c'est? Attendez, je me suis trompé de touche. Qu'est-ce que c'est? Niveau 8.
Attendez, il y a que des niveaux 8? C'est pas possible. Il y a un gros convoi. Mais je m'en fous du convoi, moi je veux regagner le fort. Avant de faire la mission finale, s'il vous plaît. Ah d'accord, c'est là-bas, donc c'était à droite. Je suis à la gauche, mais c'était à droite. Génial. En plus, apparemment, avis de tempête déclaré, c'est officiel. Les perroquets. D'accord. Pourquoi les perroquets? Larguez les perroquets. N'importe quoi, wack. Donc on arrive... Ah bah apparemment, on peut plus accoster. Mais... Ah d'accord, on peut pas se mettre par... par mer forte ou... D'accord. Ok, je comprends mieux. Donc les amis, on va devoir attendre que... Bah, que les tornades s'en aillent, même si je n'en vois pas, que... Qu'on puisse accoster, quoi, tout simplement. Qu'on puisse accoster. J'attends. Bon. J'attends que je puisse m'arrêter, si vous le voulez bien. Alors ce serait cool si on pouvait accélérer le temps. Quand même. Ce serait pas mal. Ah, on peut aller là-bas, c'est quoi ça là-bas? Ah, c'est un... On a dit c'est un bateau qui est mort. C'est un bateau qui est mort, sauf qu'on ne peut toujours pas avoir accès au fort, pour le moment, vu qu'on est en pleine tempête. Voilà. Pour un peu que ce soit en pleine tempête jusqu'à la fin. Oh putain, il s'est fait exploser. Il y a le convoi là-bas, mais je m'en fous du convoi, moi. Personnellement, je m'en fous du convoi. Je veux juste me mettre à couvert. Oh putain. Attention les vagues. Attention. La voilà. Wouh, regardez-moi ça, c'est impressionnant ça par contre. Sérieusement, c'est impressionnant. Et si vous le prenez pas de face, oh là là. Oh, c'est super beau. Ah c'est vrai que quand il y a des tempêtes, le jeu est quand même impressionnant. Hein. Faut avouer ce qui est. Ah t'as l'impression que tu vas te faire avaler tout cru par la vague. Impressionnant. Ça faut bien l'avouer par contre. Ça fait partie d'ailleurs des grosses qualités du jeu, quoi. Infiltrez-vous dans le fort. Bah, j'aimerais bien. Ça m'arrête. Ah bah si, on peut. Ou alors, est-ce que c'était la fin de la tempête? C'est possible aussi, je sais pas. Bref, donc voilà, on peut. Ça se trouve, on pouvait être depuis le début et j'étais pas au courant. Génial. Hop. Allez, on y va. Putain, c'est vachement sombre, hein, par contre. Je sais pas pourquoi, c'est mon haveur média qui est très très sombre. À la capture, j'ai vu après sur YouTube, ça passe mieux. Et au montage, mais c'est vrai qu'à la base, c'est super super sombre. Attention, zone interdite. Non, c'est pas possible. Je prends par où du coup? Par là. De préférence. Tuez les officiers. Avec plaisir. Allez. Bonjour. Salut Bob. Attendez, je prends le pistolet. Ça fait mal, ça. Quel combo. Oh, le combo que je leur ai fait. On voit pas grand-chose, mais... J'aurais quand même fait un beau combo. Allez, je vois même plus où je suis. Il y a tellement de monde. C'est quoi tout ce monde qui... Attendez, on s'en va, on s'en va. Allez, j'aimerais bien m'en aller, mais le problème, c'est qu'on me laisse pas partir. C'est vrai que c'est un mode difficile, là, donc c'est normal. Ok, donc lui, il serait plus en haut. Allez, on va en haut. Vite, on va tuer le suivant. Le problème, c'est qu'il y en avait un ici. Attendez. Allez, allez, allez. Voilà. Bonjour. Salut. Tu ne feras plus de mal à personne, toi. Toi non plus. Ah, c'est déjà plus corsé quand il y a des forts en mode difficile, quand même. Ça n'a absolument rien à voir avec, avec les forts en facile, etc. Ok, bon, pire, je vais tuer celui-là. Ah, il est là, regardez. Hop. Salut. Voilà, donc il y en a un, déjà. Un officier. Attaquons-nous à celui-là. Yeah, la classe est celui-là. Attention, est-ce qu'on va le tuer direct? Et non. C'est lui. Attention. Allez, vas-y, attaquez-moi. Meurs. Ah, il veut pas... Putain, je suis où, là? Des problèmes de caméra. Bon, les mecs, ça va être dur, hein. Allez, meurs. Le problème, c'est que je vois rien. C'est super sombre. Je comprends pas le truc, là. Attendez. Ah!
Putain, je vois rien. Oh, les problèmes de caméra, mais c'est immonde. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Crève. Putain. Bon, bah, je pense qu'il n'y a pas de choix, faut les contrer, mais... Le problème, c'est que tant qu'il m'attaque pas, l'autre enfoiré... Putain, et quand il attaque, c'est la chiotte. Tu vas crever. Voilà. Fuyez le combat. Putain, j'ai plus de vie. Casse-toi, vite, bouge ton cul. Vite, on s'en va. Toi, tu viens. Tranquille. De toute façon, heureusement qu'on n'a pas un temps hein, pour prendre possession du fort, parce que je serais mal barré, les amis. Allez, on attend que la vie remonte. Parce que là, vraiment, on était limite. Et il reste plus qu'un officier, du coup. Allez, on y va. C'est bon. On a assez repris de vie. Truc de Barjou. Voilà, c'est cramé. On peut pas monter, donc on va utiliser l'échafaud. Heureusement qu'il y a toujours des échafauds pour monter dans ce jeu. Parce que sinon, il y aura des soucis. Perfecto. On va monter tout en haut. Parce qu'à mon avis, il est tout en haut. Hop. Tout en haut. C'est la galère. Allez, on y va. Je sais pas où il est, ou juste... Ça peut pas être lui, sinon... Il aurait un rond au-dessus de la tête. Ça doit être celui-là. Non, c'est un Templier. Enfin, un Templier. Donc, c'est lequel? Ah, c'est celui-là. Regardez-le. Ok. Hop. Oui, je suis un fou, je saute à des mètres de hauteur. Attention. Et voilà. Trouvez le cabinet de guerre. On y va. Ah, je les ai bien lus, quand même. Faut dire ce qui est. Allez, on gagne des sous-sous et on ouvre les coffres de Charlotte, donc. C'est le fort que l'on a capturé. Faut juste que je trouve un endroit pour monter. On va prendre par là. Hop, et on va tenter de trouver le cabinet de guerre. S'il vous plaît. Non, c'est pas là que je veux monter. Putain de bordel. Hop. On va monter tout en haut. Grâce au volet. Salut toi. Comment tu vas? J'ai pas besoin de toi. J'ai même pas besoin de te tuer. Ah si, faut que je te tue en fait. Excuse-moi, je suis obligé. Sinon, ça le fait pas. Voilà. Nickel, je suis anonyme. On y va. Ouvrez la porte. Tu es le commandant du fort. T'es mort. Et voilà un nouveau fort qui est pour nous. Ah, ça fait du bien. Ouais, je voulais faire une petite capture de fort avant d'attaquer la fin. Parce qu'on ne sait jamais si dans cet endroit, on a plein de bateaux qui viennent nous attaquer, on aura besoin d'un fort, les amis. Oh que oui. Allez, donc une zone en plus de débloquer, ça c'est bien. Et on a en plus accès à des trésors. En plus, je crois que j'ai jamais montré... Si, j'ai dû montrer une fois, là, quand on prenait possession d'un fort. Mais je préfère vous le remontrer, parce que c'est vrai. Je vous l'ai montré il y a un petit moment, c'était vers le début du jeu, donc forcément... Voilà. Allez, on y va. Go. Et cette fois-ci, les amis, on arrive à la dernière mission du jeu. Ça va être... C'est quoi, ça, là-bas? Oh, putain, il est aggro, non? C'est quoi? Attendez. C'est quoi, ça? Il a pas l'air... Il y a un convoi. C'est quoi, ça, là-bas, qui arrive, aussi? Et ça, c'est quoi? Quoi? Il y a deux manowars. Attends. Wow. Les mecs, il y a deux manoirs. C'est normal? J'ai plus de... Bon, on va s'occuper du... Oh putain, putain, putain! Vite! Ouais! Putain! Oh, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait le manoir. Oh mon dieu! Il y a deux manoirs en plus, on a un là-bas. Bon, c'est pas grave. Bon, qu'il y en ait un ou deux, c'est pareil. Parce que dans tous les cas, on va en avoir un à la fois. Vu qu'on a augmenté les capacités du bateau, ça devrait le faire. Magnifique, je me suis. Ah, mais non, mais en fait, j'avais plus de vie avec le bateau. Ah ouais, non mais je suis con, j'avais pas pensé. J'avais plus de vie. Donc j'aurais dû aller tuer un petit bateau avant.
petit bateau. Bah pour reprendre tout simplement la santé avec le Jackdaw. J'avais pas pensé, c'est pas grave. Bon bah on recommence les amis. Une flotte bloque la crique où on veut accoster. Aïe, c'est l'armada. Dorès n'est pas venu seul. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Nous ouvrir la voile. Eh ben on y va l'ami. Alors, est-ce qu'il y aurait eu un manoir tout le temps? Ou alors est-ce que... Je sais pas forcément s'il y a quelque chose qui défend... Il y a un manoir, mais cette fois-ci il n'a pas deux, hein, je suppose. Parce que deux c'était beaucoup. Ah si! Oh putain! C'est pas vrai. Oh putain, plus deux en même temps. Ça va pas du tout être gérable ça. Oh non de Dieu. Ça va pas être gérable ça, les amis. Faut vraiment attaquer à fond un seul navire quoi. Putain, le con! Ils sont puissants. Là, je crois que c'est canon contre canon, les gars. Ouais, on l'a eu. Ah bah en fait, on l'a vite. Putain, j'étais presque vite, donc faut que je l'aborde. Attention, les vagues scélérates. Donc, je vous propose qu'on passe les vagues scélérates et je l'aborde après. Hop. J'espère que ça va pas me péter mon bateau. C'est juste ça, quoi. Vite, faut que je l'aborde. Oh, putain, waouh, la mer est agitée aujourd'hui. Allez, faut que je l'aborde à mort. Abordé. Parfait. Ouf, putain, mais en plus, il est en train de me viser. Ouf, j'ai de la chance. Ok. Allez, les mecs. On accroche tout ça, on accroche le manoir. Tu es équipage 0 sur 20, détruire le pavillon, navire ennemi, tu es le capitaine ennemi. Ok. Bon, ça va être tranquille normalement. On a déjà fait bien pire. Quoique. Quoique, maintenant que j'y réfléchis. Alors toi, tu vas te faire exploser. Mais à un niveau international, tu n'imagines même pas. Bref, ça ne sert à rien le canon, vu que de toute façon, on peut pas y aller. On peut pas l'atteindre tellement que le bateau est haut par rapport à nous. Truc de fou. Allez, go! Allez, tout le monde à mourir. Meurs. Putain, j'ai pas fait gaffe. Oh là, la triple. Ça, c'est magnifique. La triple avec l'arme. C'est énorme. Aïe. Putain, les vieux briscards avec les cheveux blancs, là. C'est vraiment de la merdouille. Et même quand ils ont le dos tourné... Ils te font chier! T'y crois ça? Putain, j'ai perdu un membre d'équipage. Oh toi! Oh le con! Putain! Allez! Toi aussi! Putain, oh, je crois que j'en ai tué deux là! Attention, on va un petit peu là-bas de l'autre côté, aider mes membres d'équipage, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tous vous tuer. Hop. Allez, crève. Voilà. Tout se passe bien, il en reste plus que deux. Le pavillon du navire ennemi, tu es le capitaine. Ok, il y a deux objectifs, on va essayer de les faire. Les amis, toi tu es là, capitaine. Non. Faut que je m'en aille. Cours. Faut que je cours vite, faut que je retourne sur mon navire. Voilà. On se calme. Même si mes équipages meurent, c'est pas grave. Même si on ne réussit pas tous les objectifs, ce n'est pas grave. On reprend, les amis, de la santé. On se calme. Tranquille, Galaxou. Reprends de la santé. Calme-toi. Patiente. Mets-toi au canon si tu veux. Voilà. Je parle de moi-même, mais c'est pas grave. Allez, tu vas crever, toi.
Mais j'attends de reprendre de la santé. Je reprends pas de la santé vite, hein, je vous le dis franchement. Tant pis. Allez, on va essayer de tenter de tuer le capitaine. Par contre, on contre direct. Dès qu'on voit un truc rouge, on contre, hein, Galax. On a plus assez de vie pour faire le mariole. Allez. Ah putain. C'est galère. Allez, ben, on l'a eu. On a eu le capitaine. Déjà, premier objectif, c'est bon. Et le pavillon, on va en haut, les mecs. J'y vais. Je vais détruire le pavillon. Crève, dégage. Tout le monde descend tout de suite. Allez, on est parti. Escalade de l'extrême. Ça va pas être de la tarte. Mais bon, on peut y arriver. Bon, c'est pas comme si c'était super haut, c'est pas comme si ça mettait des années, hein. Donc on peut le faire. Allez. Détruire. Comment? Comment on fait? Je me souviens plus comment on fait au juste. Vous savez, vous? Alors attendez. Détruire, ouais, c'est comme ça. Voilà. J'espère que vous êtes contents. Maintenant, il ne me reste plus qu'à redescendre. Non, c'est bon. Et voilà. Alors là, vraiment, on gagne beaucoup de sous, on gagne beaucoup de rhum, etc. Par contre, il faut réparer le Jackdaw. Parce qu'il y a un deuxième manoir. Oh que oui. Et pas des moindres. Allez, on s'attaque au deuxième, les amis. Alléluia. Salut les mecs! Comment allez-vous en cette journée de fête? Heureusement que j'ai amélioré mes canons quand même. Moi je vous le dis. Ah, j'aurais dû me mettre plus loin moi le mortier. Je l'ai pas mis assez loin. Il s'en va ou il fait quoi? Je crois qu'il s'en va, non? Mais il va où? Je crois qu'il s'en va, le manoir. Ouais, je crois qu'il est pas assez fort maintenant. C'est pour ça. Putain, par contre, on va pas aller se loger dans le mortier. Ouais, d'accord, il attaque de l'arrière, lui. Pédé. Franchement. Ouais, sauf qu'il va droit sur mon fort. Hein. Voilà, mais c'était sûr, mon grand. Tu vas tout droit sur mon fort, c'est un petit peu logique. Oh la vaccélérate. Oh la méchante. Ah, il est mort? Bah oui. Forcément, c'est mon fort qui s'en est occupé. Hein. Bon, et bah voilà. Écoutez, on a vaincu le manoir. Donc on peut maintenant aller enfin vers la mission. Enfin, ça faisait partie de la mission quand même, hein, je pense. Je pense véritablement que ça faisait partie de la mission, le fait de couler les deux manoirs, c'était obligatoire. Et puis vous avez vu, on est mort une fois, donc forcément après on a eu les deux mêmes. Donc c'est sûr, c'est certain, fallait les vaincre, dans tous les cas. Donc maintenant on peut y aller. Allez, direction, directement la mission. La dernière mission du jeu. Et là les amis, ce sera fini après. Donc voilà, j'ai pris le temps quand même pour prendre le fort, etc. Je voulais pas finir ce jeu non plus à la vitesse de la lumière. D'ailleurs, je le finis bien plus tard que certaines personnes, que certains let's players qui l'ont déjà fini depuis un bout de temps. Voilà. Tout simplement. Allez. On y va. Alors, est-ce que la vaccélérate va venir vers moi? Putain, c'est pas loin. Enfin, c'est pas loin. Je pense pas. Si. Non, si. Je sais pas. Non, apparemment, c'est bon, j'ai échappé à la vague scélérate. Par contre, attention aux îles quand même, hein, c'est pas le but. Allez, lancez mission. Dernière mission. The Ending. Je ne sais pas du tout ce que nous réserve cette dernière mission. Mais je suis très curieux de le découvrir avec vous. Et surtout de voir la cinématique de fin et ce que nous propose la fin de ce AC. Parce que, soyons bien d'accord, que les Assassin's Creed, en termes de fin,
de ending n'ont jamais été vraiment au top. Donc on va voir tout simplement si s'ils ont un petit peu changé cet aspect-là, parce que c'est vrai que la fin du troisième, la fin du 2, la fin du... Enfin voilà, ça a toujours été... Enfin le 2, je ne sais pas, j'ai jamais joué. Enfin si, j'y ai joué, mais je ne l'ai pas fini. Mais véritablement, le 1, le 3... Le 1 encore, bon, c'était classique, mais le 3, mon Dieu. Qui est ce Torres, Edward? Et qu'a-t-il fait pour mériter que tu le tues? C'est un Templier, comme Rogers et Hornigold. Leur seul et unique but est d'utiliser l'Observatoire pour asservir les peuples. Avoir le pouvoir et tout contrôler. La violence qu'il répandra autour de lui sera subtile mais atroce. Il détruira tout, sans laisser sa marque. Est-ce que tu comprends? Un peu comme si quelqu'un, pendant une grande sécheresse, avait un immense baril d'eau, mais ne donnait à boire à personne. Il peut tuer sans avoir de sang sur les mains. Ouais, c'est ça. File-lui la peau. Ça me rappelle un certain film. Bon, après, avec toute proportion gardée, ça me rappelle Rocky. Quand elle lui dit, en gros, quand Adrian lui donne le feu vert, est-ce que vous vous souvenez de cette fameuse scène? Ça me rappelle un peu ça. Bon, comme je vous l'ai dit, un petit peu, hein, pas non plus. Voilà, mais ça m'a rappelé, en réécoutant, enfin en écoutant cette partie du jeu, cette réplique, ça m'a rappelé justement cette fameuse scène de Rocky. Alors je ne sais plus lequel c'est, quel numéro, mais en tout cas c'était un Rocky. Voilà, on y va. Donc on y est les amis, directement à 30 mètres. Rejoignez le rivage. Je crois que c'est un rivage là déjà. Allez, suspense. Rejoignez la salle d'observation. Oulala là là. Attention. Rejoindre la salle d'observation. Il y a des soldats. On les bousille. Qu'est-ce qu'on fait à ton avis? Alors soit on les évite. Je ne sais pas, vous préférez quoi? Infiltration? Bourrinage? Je ne sais pas moi. On va tenter de passer à des piquets, donc il y a un chemin qui est tout tracé. Alors attendez, prendre munitions, ouais je veux bien. Non, je veux pas siffler. Attendez, mais il y a quoi au juste? Bah si, faut aller là-bas de toute façon, on s'en fout qu'il y ait des gardes. Et ils sont morts apparemment, non? Les gardes sont morts, je crois. Si je dis pas de conneries. C'est quoi ça? Il vient de mourir lui. What? Pourquoi il est mort comme ça? Il vient tout juste de mourir, tu sais. Oh mon dieu. Ça me fait peur. Mon dieu. Bon bah là on suit un petit peu les cours, hein, écoutez. On suit un petit peu les arbres. Et on va à l'observatoire. Qui sera peut-être, bah écoutez, le dernier endroit du jeu au final. Peut-être la dernière... dernier environnement, dernière scène. Ok, nous on continue notre petit bonhomme de chemin. Oula. Oula. C'est quoi cette ambiance? C'est bizarre. C'est très bizarre, je vous avouerai. C'est la première fois qu'on a une ambiance comme ça. Allez. Donc, faut aller là et on doit atteindre... À mon avis, il y aura des gardes. Forcément. Ah ouais, là, il y a des gardes, attendez. Ouh là là. Il y a un garde ici. Il est où? Je vois pas. Attendez. On se fout dans la plante, s'il vous plaît. Ah oui, on était déjà venu là, vous vous souvenez? Alors par contre, je pense qu'il est en haut, non? Il est où? Attendez, je vois pas. C'est quoi ça? Ah c'est elle! Oh putain, elle m'a fait peur! Je me disais, c'est qui ça? C'est qui ça? Oh putain! Je savais même pas qui c'était. Allez, donc faut continuer de toute façon. On passe en face, mais bon. Pas vraiment de grosse utilité. Ah! En voilà un! Voilà le premier! Ah, j'ai plus de fléchettes. Est-ce que c'était fait exprès? Je ne sais pas. Bon allez, moi j'y vais de toute façon. Si on se fait repérer, on se fait repérer. Tant pis. C'est pas grave. J'ai pas envie de la jouer à infiltration. Hein. Pour finir... Pas toujours. J'ai pas toujours envie, ouais. Voilà, ça dépend véritablement des fois, en fait. Bon, après, faut une limite, bien entendu, mais... Mais voilà. Allez. Ah, et un fragment animus, apparemment, ici. C'est quoi, ça? Pas maintenant, Han. Pas maintenant? Tout quand on aura fini. D'accord. Ouais. Vous êtes bien gentils, ils me font descendre complètement, mais... Ah d'accord, on monte par là. Je me disais aussi. Pour l'instant, pas d'ennemis, c'est vachement calme. Je suis assez surpris, je m'attendais à une...
à une mission plutôt boum boum. Assez surpris. Ouais, je vous avoue franchement, j'aurais pensé que ce soit plus bourrin. Bon bah dans un sens ça repose un peu, c'est pas plus mal. Et puis tout le temps du bourrin, c'est vrai que c'est lourd. Non là c'est juste ouais un aller jusqu'à l'observatoire. Alors peut-être qu'on aura quand même des scènes de combat après, hein, je l'espère pour le jeu, parce que franchement, il y a un petit truc qui va pas. Faut pas qu'ils me suivent. Allez, on est à l'observatoire les amis. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je crois qu'il s'est fait exploser là, non? Oh mon dieu. Oh my god. Et comment je fais alors? Ouais. Et oh putain. Vite là-bas. Oh putain d'accord. Ok je vois. Je vois les mecs. Vite. Grouille. Ah mais merde. Putain. Le con. Ah putain j'aurais pu y aller. Bordel de merde. Vas-y repasse là, vas-y reviens. D'accord, je vois le truc. Allez go. Salut mec! Tu crèves, tu sors, et toi aussi. Les trois. Ok, c'est une sorte de phase de plateforme, si je comprends bien. Ouais, alors je suis bien d'accord. Ah! Tu rigoles? Attends, tu rigoles là? Eh ben non, il rigole pas en plus. Ouais, mais. Et alors? Ça m'avance à quoi d'avoir. Ah! Oula! D'accord. Oh non. Oh le con. Oh le con. N'importe quoi. Bon j'ai mal géré. Je dirais même j'ai pas géré du tout. On est d'accord. Oh ça peut arriver à tout le monde hein. Oh. Attendez, on est où là? Ils m'ont mis où là? D'accord, allez, fais-toi complètement cramer. Au moins ce sera fait. Voilà, on va attendre là. J'ai très bien compris. Allez, on avance. Et normalement, la plus haute, ce sera celle-là après. Eh ben non, loupé. Ok, donc après, ouais, faut aller là-bas. Voilà. Vite. Dégage. Putain, ils sont chiants. Hein. Toi, dégage. Et toi aussi. Voilà, donc si j'ai bien compris... Ah mais il y a ici aussi. Oh mais... Ah d'accord, vaut mieux aller là alors. On est un peu plus près de ce côté. Et ça permet de... D'aller... Ben oui, d'aller là-bas. Les deux côtés, je pense, permettent de... D'y aller. Ah c'est bizarre qu'il y ait deux côtés. Ça veut dire qu'il y aurait deux façons. Ah c'est marrant. Vous voyez, c'est assez marrant ça. Là. Voilà, on l'a eu. Ok, je vois un petit peu les phases... Phases d'action là. Enfin, phase de plateforme, du moins. Phase d'action. Hop, vas-y, monte. Voilà. Alors, par contre, excusez-moi si je vais devoir peut-être augmenter la luminosité, parce que je vois pas grand-chose. Encore une fois, c'est mon avermédia qui a quelques petits soucis, donc vous voyez sûrement très très bien. Mais on va le mettre juste en 6. Moi, je ne vois pas assez. Voilà, en 6, pour moi, c'est très bien. Vous, ça va sur la capture. Mais moi, avec mon avermédia, en fait, ça me rend... Je sais pas pourquoi, ça me rend plus sombre. Alors c'est un petit peu chiant, pour tout vous dire. Oh putain, les phases, mon dieu. Alors ça gêne pas quand c'est des combats que ça demande pas trop d'agilité, de précision, mais alors... Par contre... Alors, ok je vois. Ah, et donc là sert le deuxième peut-être. Attends, faut passer où maintenant? Ah d'accord, peut-être pour atteindre l'autre côté, non? Non. Non. Non, c'était forcément par là. J'attends que ça remonte. Non, qu'on prenne à gauche ou à droite, apparemment, c'est exactement la même chose. Si je comprends bien. Hop. Donc là, on prend par là. Et faudrait, en fait... Non.
Attendez. Hop, est-ce qu'on peut... Ça me fout... Non, on peut pas. On fait pas de conneries, hein, s'il vous plaît, parce que là... J'aurai les boules. Attendez. Est-ce qu'on peut... Eh ben non. Et on prend par où, alors? Il y a des piliers en haut, attendez. Ouh là là. On peut aller en face? Bah oui, on peut aller en face. Putain! Wow! Oh, oh la vache! C'était ça? J'étais pas sûr du tout, là. Je vous avoue. Allez, salut les mecs. Salut toi aussi. Oh putain. Attention. Je crois que ça se déplace, non? Je sais pas du tout. Ah, ils sont où, là, les trucs? Ok, je vois. Tout le monde descend. Je vais tuer tout le monde. Voilà. Attention. On se casse. Voilà. Oh putain. Non, je me suis fait toucher. Ah, faut carrément pas se faire toucher ou ça nous tue direct? Je sais pas trop. Je sais pas trop parce que tout à l'heure ça nous a pas tué directement. Je sais pas. On va devoir tuer Torres. Allez. Le Rhino Torres. Donc je vois. D'accord, à mon avis, faut pas toucher ce... cet endroit. Enfin, ce... À mon avis, je devrais pouvoir... Vas-y, venez là, les mecs. Putain, je me suis fait toucher, là. Attends, cours. Vite, cours, cours, putain, mais... C'est pas possible. Parfait, je fais gaffe à ces trucs, hein, parce que, franchement... Ok, bref. Bon, on va pas faire comme ça, alors. Il est où, l'autre? Ah, putain, il est au fond, là-bas. Je vais voir où il arrive, parce que j'ai pas tout compris le fonctionnement de cette, ce truc. Allez, va voir ta grenade. Vite, on remonte. Il en reste un ou deux, je pense. Salut, Bob. Qu'est-ce que tu dis? Tu fuis? Voilà. Tu fuis plus. Allez, headshot. Bref. Allez, on reprend. Alors, attendez, on se calme, on se calme. D'accord, donc c'est les plateformes, là. Allez, on y va. On va prendre les plateformes, tranquillement. Vite, montez les plateformes. On s'en fout, on n'a pas besoin qu'elles montent. C'est pas grave. Oh, ça bouge dans tous les sens. Non! Qu'est-ce que je fais? Putain. Oh, la séquence de plateforme, elle est vraiment pas mal, par contre. Hein. Franchement, c'est pas mal. Oh! Bon, c'est un petit peu scripté. Mais c'est logique. Oula. Ok. Alors, on va arrêter de se balancer, s'il vous plaît, les enfants. Alors, oula. D'accord. On va tenter de pas se faire toucher. Je pense que ça vaut mieux. Allez, monte. Putain! Ah! Voilà. Rien à dire. Rien à dire. Rien à plus. Rien de plus à rajouter. Allez. Allez. Ah, c'est bon, on reprend de là. Ah, c'est cool. Franchement, ils nous mettent les checkpoints assez... assez rapprochés. Donc ça, c'est cool. Allez, attendez. Alors, ça prend d'où, leur connerie, là? Ok. Ouais, c'est bien tout ça, mais... Ouais, je vois pas trop, en fait. Vite, cours, 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 vite, 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 vite. Oh, putain. D'accord. Allez, allez, allez. Vite, on sort, vite, dépêche-toi, 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 dépêche-toi,
Voilà. On va en face. Ah putain, attends. On réfléchit un petit peu là. On va en face, attendre que la plateforme descende. Parfait. Et maintenant? Et maintenant, bah, logiquement, faudrait aller là-bas, mais... Mais non. Non, non, faut pas aller là-bas. Oula, j'ai pas dû saisir le truc. Ah, faut arriver. Ah, d'accord. Putain, je l'avais pas vu. Ah, putain, dis donc, si on regarde pas au centre. Et là, ça a tout l'air de l'assassinat final. Je sais pas comment vous voyez la... Vous voyez la scène. Mais en gros, là, je vois ça comme l'assassinat final. Et là, c'est la fin. Vous êtes prêts, les mecs? Capitaine Kenway, aussi tenace qu'une sangsue, ce meurtre fera-t-il ton bonheur? Je crois qu'assurer ta disparition, Torres. Tout ce que tu souhaitais pour moi. Mais nous avons fait pire, je crois. Tu n'as plus ni famille, ni amis, ni futur. Tu as perdu bien plus que nous. Ouais, peut-être. Mais te tuer répare tous les torts que j'ai jamais causés. Tu le penses vraiment? Tu aimerais voir le genre humain réuni dans une jolie petite prison, sans âme et sans cœur, pour mieux le contrôler et le priver de toute passion. Alors oui, après tout ce que j'ai pu voir et apprendre ces dernières années, je le pense. Tu assumes tes convictions avec foi. Tu as changé. Torres a déclenché quelque chose. On est en danger? Pas si tu remets l'appareil en place, Edward. Comment vous appelez cet endroit? La folie du capitaine Kenway. Rassure-toi, c'est fini. Rendors-toi. Ce lieu doit être scellé et sa clé jetée. Jusqu'à ce qu'un nouveau sage apparaisse, cette porte demeurera verrouillée. La dernière fois que j'étais ici, il y avait des fioles. Des fioles remplies du sang de vieux ancêtres, d'après Robert. Mais elles ont disparu. Alors il nous appartient de les retrouver, avant que les Templiers n'en aient connaissance. Tu serais utile à notre cause. Je sais, mais... Je dois d'abord réparer le mal que j'ai causé chez moi. C'est arrivé la semaine dernière. Ah d'accord, et la mission finit comme ça en fait, on est même pas au courant de ce qu'il vient de lire. C'est génial. Alors à mon avis, c'est à propos de sa femme, hein, vu son expression. Alors, objectif libéré, donc j'ai réussi aucun objectif optionnel. Comme d'habitude, vous allez me dire... Allez, on continue. Donc, mission réussie, apparemment, c'était la dernière. Donc là, on va sûrement avoir le droit, les amis, à la fin, la ending, à mon avis. Mais avant tout, un petit temps de chargement. Eh oui, c'est fait exprès avant la fin du jeu. Faut bien nous faire patienter. Non mais oh, faut bien nous faire saliver. Pour voir comment va se terminer cette histoire de pirate, comme un nouveau départ. Bah non, je dirais comme une nouvelle fin. Oh, je vous jure. Mettre de ces trophées, des fois, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est complètement l'inverse. Mais c'est fait exprès, justement, c'est dérisoire. C'est comique. Ils veulent faire dans le comique, un peu, des fois, Sony. C'est marrant. Sony, Sony... J'aimerais pouvoir t'expliquer la situation, mais on n'a pas beaucoup de temps. En résumé, tu as vu ma bien-aimée Junon. Et l'espace d'une minute, j'ai bien cru qu'elle viendrait occuper ton joli petit corps. Mais tout a dérapé! Et maintenant, elle s'est volatilisée, disparue. Ah, oh, elle était magnifique autrefois. Elle était de la race de ces merveilleuses et sublimes créatures. Celles qui vous ont façonné. Est-ce que tu savais ça?
Vous n'étiez que des instruments entre leurs doigts. C'est comme ça depuis le début. Et je ne vois pas pourquoi ça changerait. Enfin, le jour viendra, j'espère. Car le monde ne sera jamais aussi prêt, connecté, paré pour le jugement dernier. Oh. Oh. Les voilà qui arrivent. Les Templiers. À moins que ce soit les assassins cette fois. Des idiots. Tous des idiots. Je suis jaloux. Elle voulait que je sois là pour l'accueillir. C'est grâce à ces expériences que j'ai pu renaître sous la forme d'une de ces choses. Ah ! Reste à terre ! Allez, sur le dos, dépêche-toi ! Il est armé ! Guide-moi dans les limbes, mon aimé, je suis ton instrument ! Pose ton arme ! Pose-la ! Obéis ! Lâche ton arme ! Ça y est, c'est bon. Examinez-le. Il se vide de son sang ! Allez le voir. Est-ce que ça va? Est-ce que tu m'entends? Hé, hey, parle-moi. Ça va aller? Elle n'était pas crédible dans son rôle. On aurait dit que j'avais une petite blessure de rien du tout. Tu t'en es sorti. Dieu soit loué. J'espère que tu vas bien. Tu peux te lever? Bien. Essaie de marcher un peu. Je peux marcher. Un docteur est passé. Il a dit qu'on n'avait pas à s'en faire. La dose de la seringue était loin d'être mortelle, donc pas d'inquiétude. Mais ça, tu n'en savais rien. Je suis vraiment désolée pour tout ça. Et pour tout le reste. Tout accusait, absolument tout, mais c'était John le coupable. On en a trouvé des choses sur son ordinateur. S'il te faut quoi que ce soit, tu nous demandes. T'as fait un travail remarquable. Tiens, d'ailleurs, la bande-annonce est finie. Ça te dit de la voir? Tu l'as bien mérité. Et voilà, je l'ai envoyé dans ta base de données. Regarde-la ici ou sur ton Animus. Je crois que tu vas apprécier. Elle reflète vraiment l'essence de l'époque. L'essence de l'époque. Bon, à bientôt. Et encore une fois, merci. Merci beaucoup. Dans un monde où les pirates règnent sur les mers, ces hommes vont découvrir que rien n'est sacré et que toutes les routes mènent au rhum, au pillage et aux femmes. Hola, mes jolies. Cet été, Abstergo Entertainment vous fait grimper à bord pour l'aventure de votre vie. Alors, affûtez vos sabres, faites briller vos crochets et embarquez avec les Diables des Caraïbes. Une expérience virtuelle bientôt disponible. Pas mal. Les Diables des Caraïbes. C'est marrant quand même. Ah, je vous jure. Allez, on ferme le communicateur. Retournez à votre Animus. Avec plaisir. Alors, on y va. Est-ce qu'on peut aller plus vite? Oui, c'est vrai. Ah, abruti. Animus, ça j'aime bien. L'Animus c'est cool. Rentrez dans l'ordre, nouveau trophée. Cool. Et encore un petit temps de chargement. Ah, on les aime. Heureusement qu'on les aime, moi je vous le dis. Bon, elle arrive quand, sinon la petite cinématique de fin, là, la ending que j'attends beaucoup. Je vais voir un petit peu si elle est mieux que les autres. Enfin, si on a une, hein. Si on a une, bien sûr. Allez, je veux une ending, s'il vous plaît, une petite ending, mon dieu, allez tout de suite, je veux l'ending, s'il vous plaît, allez, allez, toi que c'est long, surtout quand c'est la fin du jeu, là t'as un temps de chargement ultra long, c'est énervant, allez, sauvegarde, ok, ça devrait bientôt arriver les amis, fin du jeu, attention, cinématique s'il vous plaît. Messieurs, que dites-vous de cet endroit?
Ce sera parfait pour nous. Mais à long terme, nous devons étendre nos opérations. Nous devons vivre et travailler parmi ceux que nous protégeons, comme jadis Altaïr nous l'a conseillé. Eh bien, en attendant, vous êtes ici chez vous. Edward, Capitaine Woods Rogers a survécu. Il a repris la route de l'Angleterre, couvert de honte et de dettes, mais tout aussi dangereux. Je finirai ce que j'ai commencé à mon retour. Tu as ma parole. Bonsoir, Anne. Edward. Je vais partir pour Londres dans les prochains mois. Je serais vraiment ravi si tu venais avec moi. L'Angleterre est le dernier endroit où une Irlandaise irait. Tu vas rester avec les assassins ? Non, je ne partage pas leurs convictions au fond de moi. Et toi ? Le moment venu. Quand mon esprit sera apaisé, les affaires réglées. Navire en vue ! Il approche de la crique ! T'es un homme bon, Edward. Et si la vie te donne l'occasion de trouver ta place quelque part, tu feras un bon père un jour. Of all the money that I had, I spent it in good company, and all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit to mend. So felt me the parting glass. Good night and joy be with you all. Ah là là, bah écoutez les amis, c'était la petite ending, vraiment petite, hein. Ils ont mis le minimum, hein. Mais bon écoutez, il y a eu pire je trouve qu'il y a eu pire personnellement. Bref, donc voici, au moins on termine en musique, c'est agréable, voilà, c'est tout mignon, voilà, tout simplement. Bref, en tout cas les amis, portez-vous bien, j'espère que ce let's play sur AC4 Black Flag vous aura plu. Je ne vais pas revenir sur ce que je n'ai pas aimé sur le jeu, parce que vous le savez, je vous en ai parlé pendant tout le long du let's play, je vous ai tracassé l'esprit avec ça. Je dis que réellement les missions solo pour moi n'étaient pas à la hauteur de la série Assassin's Creed. Voilà, je le dis honnêtement, et je le pense encore. Alors bien sûr, il y a toujours des missions qui sont bien mieux que d'autres, il y en a qui sont vraiment géniales, et qui sont vraiment dignes de la série, mais la plupart quand même sont ultra répétitives. Voilà, donc au moins pour le plus gros défaut que je mets au jeu, vous le savez, après le jeu est très beau, même sur console Xbox 360 et PS3, le jeu est très 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 beau, hein, même sur les anciennes consoles. Après, bien sûr, il y aura l'aliasing. Alors pourquoi la musique c'est fini maintenant, vous foutez de moi? Ah, on peut continuer à tourner le bateau, ça c'est marrant. Ok. Ah, c'est dommage qu'ils aient pas continué de musique tout le long. Pourquoi ils font ça? Ah, je préfère. Au moins, notre fille nous demande des trucs. Bref, alors en tout cas les amis, voilà, je vais pas en dire plus. Moi, je trouve que ce jeu, graphiquement, est très beau. Au niveau sonore, le jeu est très bon aussi. Il y a les chants de l'équipage qui sont géniales. Les voix sont, écoutez, sont pas mal, sont correctes. L'ambiance est très bonne. On ressent bien l'ambiance pirate, assez bien. Donc il y aurait quand même plus de bons points que de mauvais points. Mais hélas, le mauvais point gâche toute l'aventure solo, en fait, au niveau des missions. Après, tout ce qu'il y a à côté, comme je vous l'ai dit, c'est génial, hein. On a beaucoup d'activités annexes.
la faune, la flore, y a plein, enfin la faune, plus la faune quand même. Le fait d'améliorer son équipement, ça s'est tout repris de Far Cry 3. Alors quand j'avais comparé à Far Cry 3, on m'avait crié dessus, mais si les mecs, si. La plupart des éléments de gameplay sont tirés de Far Cry 3, mais ce n'est pas une honte. Far Cry 3 était un jeu splendide. Il n'était pas sans reproche, mais il était splendide. C'était un très 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 bon jeu. Vraiment, il y a pas à chier dans la soupe. Bref, voilà, donc quand même, constat décevant, je dis bien, de ce AC4 pour ma part. Alors beaucoup de monde vous dirait qu'il est super bien et tout, que c'est l'un des meilleurs jeux de l'année. Pour moi, je le mettrais dans les jeux qui m'ont déçu, parce que je l'attendais énormément. C'était le jeu que j'attendais le plus ces 3 derniers mois. Voilà, je vous dis franchement. Et j'ai été vraiment très 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 déçu par les missions solo. Et vu que moi je fais principalement les missions solo dans un jeu vidéo, et ben voilà, tout simplement, je peux pas vous dire mieux, et c'est super décevant, voilà. Je vais vous laisser écouter avec les paroles de la fille, bah écoutez, apparemment de notre Edward Kenway national, et je vous dis en tout cas merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout cette aventure qui aura compté, si je dis pas de bêtises, 17 ou 18, 17 épisodes je crois, oui 17 il me semble. Donc en tout cas les amis, portez-vous bien, vive les jeux vidéo, et à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Ça va? A-t-elle souffert? Je ne sais pas. Je ne crois pas, en fait. Elle a été très joyeuse pendant un certain temps. Puis vraiment. Je ne la voyais plus beaucoup après cela. Et ensuite, elle est morte. Je suis désolé. Je regrette de ne pas avoir été là. Ce n'est pas grave. Vous êtes là maintenant. Et nous partons à l'aventure. Une aventure modeste, j'espère. J'en ai vécu assez pour toute une vie. Verrons-nous une baleine, père? Oui, il y a de fortes chances. Et des pirates? Est-ce que je vais voir des pirates? Non, ça, en revanche, ça m'étonnerait. Oh, c'est dommage. J'aurais tellement aimé en voir un. Je vais te dire une chose, Jim. Dès que ces vents auront un peu faibli, je te laisserai barrer le Jackdaw. Un petit tour à la barre avant la nuit. Oui. Miss Jennifer Kenway, permettez-moi de me présenter. Jennifer Scott, je vous prie. Je suis désolé, je... Ma fille a été élevée par sa mère, Caroline, jusqu'à ce qu'elle nous quitte il y a quelques années. Jenny a toujours préféré son nom au mien. Ah, pardonnez mon ignorance. Je le ferai. Elle, c'est moins sûr. Vous pouvez m'aider, père? Ce petit vaurien, en revanche, est bien Kenway. Qu'y a-t-il, Etab? Je n'arrive pas à voir la scène. Allons-y. C'est mieux? Oui, mais n'allez-vous pas fatiguer? Eh, je ne suis pas si vieux que ça. Mais si je fatigue, alors on filera de cet endroit guindé et on ira prendre un chocolat avec ta mère. Ça te plairait? Oh oui, père! Bon, chute maintenant.